moi, je trouve que par rapport à un manque d'effort, si ça arrive de temps en temps, c'est normal. Si c'est constant, c'est quelque chose que vous remarquez de constant, de façon plus constante, c'est important d'avoir une communication ouverte, non menaçante avec l'enfant, parce que ça pourrait indiquer certaines choses qui, selon moi, devraient être traitées. Donc, par exemple, l'enfant qui n'investit plus d'efforts parce qu'il n'y a plus de succès. Il y a beaucoup moins de succès dans son sport, que ce soit au niveau des parties, des compétitions, des pratiques, puis a perdu confiance. Ça, c'est une raison potentielle que l'enfant va investir moins d'efforts. Puis, dans ce cas-là, la confiance, c'est un ingrédient essentiel. Alors, il faudrait que le parent aide à l'enfant à retrouver des façons de vivre des petits succès assez quotidiennement dans son sport pour rebâtir cette confiance-là.